J'ai entendu dire que c'était la saison du back to school. Sorry. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Divine Ilunga et je suis une créatrice de contenu. Tant qu'à être là, abonnez-vous à cette chaîne-là parce que vous n'allez vraiment pas le regretter. I'm lit as fuck. Yes, and I'm pretty. So, that's a plus. Et pour ceux qui sont de retour sur ma chaîne, merci d'être fidèle à ma chaîne. Much love. So, aujourd'hui, j'ai des conseils pour vous, pour tous ceux qui vont rentrer au lycée. Donc, pour ceux qui habitent à Montréal comme moi, dans le fond, nous, on appelle ça ici l'école secondaire. Mais pour ceux qui ont le système français, je crois que ça s'appelle le lycée. Donc, pour ceux qui retournent au lycée slash école secondaire, j'ai quelques conseils pour vous, parce que j'ai été à l'école secondaire. Oui, j'ai 20 ans. Oui, j'ai appris à compter. Oui, j'ai appris à lire. Thank you! Thank you! Oui, j'ai un minimum d'éducation. Ça paraît pas toujours, mais oui! Donc, j'ai quelques conseils pour vous. Comme ça, votre entrée puis votre année scolaire va beaucoup être plus facile pour vous. Allons-y! Donc, le tout premier conseil, bien évidemment, c'est sûr que toutes les youtubeuses le disent, c'est sûr que ta mère, ton père, ton chien te le disent, mais c'est parce que c'est vrai, ok? La toute première chose qui est vraiment importante quand on débute une nouvelle rentrée scolaire, c'est vraiment de s'organiser et de planifier son temps. Si je suis vraiment honnête avec vous, là, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est pas très bien organisée. Je suis un peu tête en l'air, genre, je suis à gauche, à droite, je suis par ici, je suis par là-bas, ouais. Quand je prends la peine vraiment d'écrire dans mon agenda, puis de planifier mes semaines à l'avance, donc planifier bien mes jours détaillés, tout qu'est-ce que je dois vraiment faire dans une journée, je réussis à accomplir toutes les tâches que je dois faire cette journée-là. Mais si par exemple je me dis oh oui, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça, je vais me coucher le soir puis je vais être comme oh mais j'ai pas fait tout qu'est-ce que j'étais censée faire en une journée. Et quand t'es à l'école et en plus tu dois gérer tes affaires extérieures, ta famille, tes amis, tes activités sportives, parascolaires, peu importe, ça devient vraiment facilement compliqué. Donc c'est vraiment important de bien prendre le temps de prendre un agenda, d'écrire. Ça c'est un conseil qui m'avait même été donné à moi, de vraiment planifier une journée où tu vas prendre le temps de planifier ta semaine d'avance. Comme ça tu sais déjà, par exemple tu fais ça chaque dimanche, tu sais déjà de quoi le reste de ta semaine a l'air. Donc ça devient vraiment plus facile. Et de cette manière-là, tu es vraiment capable d'accomplir toutes les tâches que tu es censé accomplir. Donc avec l'école, par exemple, tu as les devoirs à faire une certaine journée. Tu l'écris d'avance pour que ça soit fait la journée que tu dois remettre ce travail-là. Ça, c'est mon tout premier conseil et c'est vraiment important. Moi aussi, je dois vraiment l'appliquer. Je donne des conseils ici, mais c'est pas toujours qu'est-ce que je fais, hein? Ouais, we need to get better. I will get better. Eventually. One day. Hopefully. Please God. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, ça s'adresse plus aux personnes qui sont un peu comme moi. J'arrête pas de le dire, moi j'aime pas l'école, ok? Et je sais que c'est important, dépendamment de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est important. Mais je considère vraiment pas que l'école c'est tout. Donc mon deuxième conseil, ce serait vraiment de te trouver une activité en dehors de l'école. Donc ça peut vraiment être n'importe quoi, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être de l'escalade, un sport. Moi je faisais du volleyball quand j'étais au secondaire, au lycée. Quand j'étais au lycée, moi je faisais du volleyball et j'adorais ça. Ça me permettait de dépenser mon énergie et aussi faire du sport en même temps que tu es à l'école. C'est bien parce que ton cerveau il respire beaucoup, parce qu'on utilise beaucoup à l'école, on apprend beaucoup de choses, on mémorise, mais il faut que ton cerveau il respire là. Il faut qu'il respire. Moi, avoir fait du sport, ça m'a vraiment aidé, je pense, à ce niveau-là. Et ça me permettait de pas juste avoir l'école. Comme oui, c'était relié à l'école parce que c'était une activité parascolaire, mais ça me permettait de mettre mon énergie ailleurs et aussi de penser à autre chose que l'école. Parce qu'à chaque fois que tu penses trop à quelque chose, ça peut facilement te submerger, puis c'est pas toujours positif. Donc c'est ça, avoir une vie à l'extérieur. Puis c'est pas obligé d'être un sport, c'est ça comme je l'ai dit, de la peinture, comme avoir des cours de chant, des cours de danse, comme ça peut vraiment être n'importe quoi. C'est juste que si l'école, ça devient ton seul centre d'intérêt, j'ai l'impression que c'est facile d'être vraiment misérable dans la vie. Parce que tu penses à rien d'autre, comme t'as pas d'autre expérience, c'est juste l'école. Donc tu penses juste à cet établissement-là qui te met entre quatre murs. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? T'as rien à l'extérieur, t'as pas d'expérience personnelle. L'école, oui, c'est important, mais c'est pas la seule chose qui est importante dans la vie. Mon troisième conseil, et je pense que c'est un des plus importants...
Ah, évitez ces garçons-là. C'est des sorciers. Ok, non, c'est pas vrai. Je mens. Oui, les garçons sont cute. Oui, comme c'est nice avoir un petit boubou. Ah. Yeah, it's really... Oui, c'est cool d'avoir une autre personne, mais I've been there, j'ai été là, et honnêtement, les relations secondaires, il y en a qui durent, mais c'est très rare que ça dure. Mais pas toute ton énergie sur un garçon parce que, oh, il t'a donné de l'attention. Mais pas toute ton énergie sur un garçon ou... Et pas des chicanes avec tes amis à propos d'un garçon. Ça vaut tellement pas la peine parce que deux semaines après ça, il va sur une autre fille. Probablement ton ami. Dead ass. Donc, c'est ça. Éviter les garçons. Puis c'est ça, ça cause trop de problèmes. Mais c'est vrai que quand j'étais au secondaire, là, puis que, tu sais, j'avais un garçon en tête, ça passait le temps plus rapidement. Mais ça me déconcentrait parce que moi, j'étais en cours. La professeure, elle parlait d'histoire et tout. Là, moi, je me perdais dans mes pensées. Je pensais à mon... Love. The love of my life. My eye, oh. Don't cry, oh. I need a boy and shy, oh. I need a boy and shy, oh. I need a boy and shy, oh. Ouais. Je suis très facilement déconcentrable. Donc, pense à quelqu'un qui pense même pas comme ça à moi. C'est la folie. Non, à la place de penser à ce garçon-là, de penser à « Oh, est-ce qu'il m'aime ?» Va étudier, va ouvrir tes livres, j'aurais dû faire ça moi. J'aurais eu des meilleures notes. Et c'est un peu la même chose pour mon quatrième point, dans le fond, de pas trop avoir d'attente par rapport à tes amitiés au secondaire. Oui, c'est vrai que tu vas rencontrer des personnes qui vont rester dans ta vie pour toujours. Quand je pense à la grande majorité, oui, il y a des cas exceptionnels, whatever. Mais la très grande majorité, on se distance des personnes avec qui on est allé au secondaire. Ouais. Mais c'est normal, vous grandissez, vous vous rencontrez quand... Vous êtes encore des bébés, là. Vous vous connaissez même pas autant. Et vu que vous êtes dans le même établissement, vous vous fréquentez tous les jours, c'est sûr que, tu sais, vous allez créer des liens, mais c'est pas les liens les plus forts que vous allez créer dans votre vie. Et si jamais il y a cette fille-là, cette Natacha-là, qui dit qu'elle est ton amie, puis après ça, là, elle va voler ton amoureux, on s'en fout. Les deux, là, tu les mets à la poubelle et tu t'en fous. Tu t'en fous. Dis-toi, oui, je vais avoir des bonnes notes après ça. Ah, je vais faire ma vie et toi et vous là, le karma va vous rattraper. C'est tout. Faut pas les brûler. Ils vont faire quoi pour toi dans ta vie, eux? Focus on your future. Yeah, we don't give a shit. Oui. Je dis pas non plus de négliger tes amis puis être méchante avec eux ou peu importe ou de leur faire des vieux coups. Non, c'est pas qu'est-ce que je dis. Comme profite des amitiés que t'as, mais si, par exemple, il y a une personne qui veut plus être ton amie, ben ok. Laisse pas ça t'affecter comme si t'allais jamais t'en sortir puis que t'allais pas trouver d'autres amis la prochaine journée. Ok, on s'en fout. On s'en fout. Si elle veut plus être ton amie, c'est elle qui est perdante là-dedans, ok? Pas toi. Continue ta vie pendant que elle va dénicher, je sais pas trop quoi, là-bas. On s'en fout. On passe à autre chose. Le temps que t'allais aller magasiner avec elle, là, avec l'argent que vous avez même pas. Va mettre cette énergie-là sur des activités parascolaires, à étudier, à faire n'importe quoi. Et c'est aussi un peu relié à mon cinquième point qui est de rester en dehors des drames. Les dramas, là, de secondaire, c'est les plus stupides. Oh, Albert a dit à Georges qu'il était gros. Mais vous êtes pathétique. C'est pathétique. T'as pas le temps pour ceux qui ont envie de japper. Toi, t'as des bonnes notes. Toi, tu te cultives. Toi, tu excelles dans des sports. Tu peux pas t'associer avec des gens qui sont en train de rire d'une autre personne parce que leur ami, ils ont dit à l'autre personne qu'elle était grosse. Ça, c'est quel genre d'imbécilité? T'as pas le temps pour tout ça. Va étudier. Ensuite, mon septième conseil, ok, ça serait vraiment d'arrêter de trop bavarder. Ça, j'ai souvent eu dans mon bulletin comme commentaire. Divine, elle bavarde trop. Ah, Divine, elle est intelligente, mais elle parle trop. Ah, Divine, il faut vraiment qu'elle arrête de parler avec ses camarades de classe.
Et aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube. Donc, si vous voulez éviter ce commentaire-là dans vos bulletins, évitez de parler trop. Non, mais sérieusement, j'aurais dû passer moins de temps à trop parler et être plus concentrée à qu'est-ce que le prof disait, parce que honnêtement, j'en ai manqué des bouts. Ouais, en plus, moi, j'ai la concentration trop fragile, en fait. Fait que genre, il y a plein de choses que le prof disait que j'étais comme, quand est-ce qu'il a dit ça? Juste parce que je parle avec mes amis. Ouais. Donc, ça va vous aider pour vos notes. Restez concentrés. Évitez de trop parler. Ensuite, mon prochain conseil, ça serait vraiment de demander de l'aide quand vous avez besoin d'aide. N'ayez pas honte. C'est pas honteux si tu sais pas comment faire un certain problème de mathématiques, par exemple, ou que tu sais pas comment faire une telle conjugaison. Le professeur, il est là pour t'aider, donc tu devrais pas te sentir gêné ou mal à l'aise d'aller lui poser des questions. Il est là pour ça. Il est là pour répondre à tes questions, donc profite de lui! Profite de lui! Gêne-toi pas, dans le fond, parce qu'après ça, si tu restes avec trop de questions dans la tête, par exemple, à l'examen, ça peut juste te rapporter un stress que t'as pas besoin et que t'aurais pu éviter si justement t'avais posé tes questions au professeur, tu vois. Par exemple, moi aussi, je faisais souvent l'erreur de... par exemple, j'avais des questions dans ma tête, là j'étais comme... Et là, la cloche sonnait. Au lieu de prendre le temps d'aller poser mes questions au professeur quand la cloche sonnait, je me disais, ah, je vais le demander au prochain cours, je vais le demander au prochain cours. Et ce temps-là n'arrivait jamais. Je prenais jamais la peine d'aller demander au prof parce que j'avais pas envie, j'avais la flemme. Mais vraiment, quand vous avez une question, au pire, levez la main pendant le cours si vous voulez pas attendre plus longtemps après la cloche pour poser vos questions. Levez la main, puis... Et pas honte, s'il y a quelqu'un dans la classe, là, s'il y a quelqu'un dans la classe qui ose rire de toi parce qu'il pense que t'es stupide parce que tu poses une question, c'est lui l'imbécile. Faut aller casser ses dents. Non, non. Ne faites pas ça. Ensuite, mon prochain conseil, c'est un peu la même chose que le premier conseil que je vous ai donné dans le fond. Ça serait de planifier son étude à l'avance. Et je mets de l'emphase sur planifier son étude parce que dans le fond, moi, je planifiais pas mon étude. Je me disais pas, ok, telle journée, à telle heure, je vais prendre le temps d'étudier pour mon examen d'histoire demain, par exemple. Non, j'étais juste comme, ah oui, je vais le faire, je vais le faire. Puis je le laissais traîner, je procrastinais. Et là, les jours avançaient. Puis là, ah, je me réveille, c'est la journée de l'examen et j'ai pas le temps d'étudier. Ou le seul temps que je peux utiliser, c'est dans l'auto pendant que ma mère est en train de m'accompagner. Mais non, en fait. Donc, quand tu planifies ton étude, ben, t'as pas le choix, en fait, d'étudier parce que t'as planifié ton horaire en fonction de ça. Ben, t'as le choix. T'as plus de chances de vraiment le faire vu que t'as pris le temps de le planifier. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, oui, planifier son horaire, je pense que ça aiderait. Ce conseil, si je l'avais suivi là quand j'étais plus jeune, honnêtement, je pense que ça m'aurait aidé. De bien dormir et de bien manger le matin avant d'aller à l'école. Des fois là, je sortais de ventre vide de la maison, je sais pas pourquoi, alors qu'il y avait à manger à la maison. C'est juste que jusqu'à ce jour, c'est encore un problème. Je préfère dormir que de me réveiller plus tôt pour prendre la peine de déjeuner. Ah, je devrais écouter mes propres conseils, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait aidé, vraiment bien dormir. Des fois, là, j'aurais pu dormir à 8 heures du soir, mais parce que je suis sur mon téléphone en train de regarder des conneries, je perds des heures de sommeil pour rien, en fait. Et là, le lendemain à l'école, mes yeux sont fermés, en fait, parce que j'arrive pas à me concentrer parce que je suis trop fatiguée. Et des fois, carrément, je m'endors. Et si je m'endors, la matière là, elle peut passer par mes oreilles, mais elle va jamais atteindre mon cerveau en fait. Donc oui, bien dormir et bien manger le matin, ça aide à la concentration. Parce que quand je le faisais, je restais réveillée, mes yeux étaient ouverts comme ça. Pas que c'était intéressant, mais au moins je dormais pas. Et mon dernier conseil, et sûrement le plus important de tous, prendre du temps pour toi-même. Dead ass. Et là, vous allez me dire, ah, mais Divine, c'est quoi le rapport? C'est parce que comment tu vas faire là pour rentrer toute la matière dans ta tête alors que ton cerveau est en train de chauffer? Tu peux même pas bien dormir parce que tu es trop stressé pour l'école. Prends le temps de prendre du temps pour toi-même. Va prendre ton bain là avec des bulles. Va te faire masser. Moi-même, d'ailleurs, je suis jamais allée me faire masser. Je devrais aller me faire un massage. En plus, je travaille dans un endroit qui donne des massages. Pourquoi je le fais pas? Je sais pas. La flemme. J'ai pas envie de travailler après.
après avoir clock out. Si toi t'aimes ça, aller courir, on va dire chaque soir à 6 heures, mais prends le temps de faire ça parce que tu sais que ça t'apporte une certaine satisfaction, ça t'apporte un certain bien-être, tu vois. Prends le temps de faire quelque chose que t'aimes faire, qui te relaxe, qui te fait sentir bien dans ta peau. Yeah! Si c'est d'aller faire tes cheveux, ma belle. Va faire tes ongles, ma belle. Peu importe c'est quoi ton truc, prends le temps de prendre le temps de le faire. Donc, c'était tous mes conseils que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne-là, n'oubliez pas de vous abonner, de like, comment, share, everything, you know the drill. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Au revoir. Mouah.